Bonjour, bonsoir tous les amis, tous les collaborateurs. Merci Dieu et passeport sexuel qui suit nous tout partout dans le monde là. Nous comptons rentrer la caillou pour nous capables informer et ça nous fait avec même l'amour, même détermination, même fougue, même respect nous gagnons pour l'autre. Bienvenue sur Channel Panouan. Merci Dieu et passeport sexuel. Dans la vidéo ça, nous pour aller en direct au Palais National en République Dominicaine. Accord que président Jovenel Moïse avec président Saint-Domingue Luis Abinadel te signé dimanche là dans réunion qui ont été dans Pédénal, eh bien yo pral di nou yap expliqué pays a qui ça Jovenel Moïse avec Luis Abinadel yo te signé. Accord ça ou pral gen chance pour capable tendre et considérer et pays Saint-Domingue là qui c'est Arbarès c'est lui-même qui pourra la li accord ça pour nous après n'a retourner pour nous capable dire en créole qui ça qui gagne dans document ça est-ce que et intérêt pays d'Haïti lui-même li reflété dans accord des pays ça aussi hein moi invitez nous tendre Arbarès n'a retourner pour nous capable expliquer en créole. A continuación, damas y caballeros, lectura de la declaración conjunta entre la República Dominicana y la República de Haití a cargo del señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República. Excelentísimo señor Eduardo Estrella, presidente del Senado. Su excelencia reverendísima, monseñor Caleb Bader, nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático. Excelentísimo señor Smith Agustín, embajador extraordinario y plenipotenciario de Haití, acreditado en el país. Honorables ministros, funcionarios del gabinete que nos acompañan. Señora Clara Reed de Frankenberg, decana del cuerpo consular. Distinguidos miembros de la prensa. Señoras y señores, amigos y amigas todos. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el presidente de Haití, Jovenel Moïse, reunidos para discutir los temas prioritarios de la agenda bilateral, reafirmaron el compromiso de cooperación y de respeto a la soberanía que caracterizan las relaciones entre las dos naciones. Los dos jefes de Estado reafirmaron su voluntad de continuar la colaboración en esferas prioritarias de sus respectivos países, intercambiar experiencias, especialmente en estos tiempos de pandemia, y fortalecer la cooperación y las posibles oportunidades de desarrollo. Haití está inmersa en un proceso de reforma constitucional destinado a consolidar la gobernabilidad democrática, y República Dominicana, en el marco del respeto a la soberanía de los estados, alienta a las autoridades haitianas a trabajar para asegurar que este proceso cumpla con las aspiraciones del pueblo haitiano. En consecuencia, los presidentes efectúan la siguiente declaración. Primero, la República Dominicana y la República de Haití, así como sus instituciones democráticas, están dispuestas a trabajar en el proceso de identificación y de inscripción en el registro civil haitiano de todos los ciudadanos haitianos que estén en territorio dominicano. Segundo, en el ámbito de la salud, con la colaboración de la comunidad internacional, que ha mostrado su voluntad de financiar hospitales en Haití, ambos mandatarios se comprometen a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano.
ubicados donde el gobierno de ese país lo considere apropiado, con el fin de reducir el uso intensivo de los hospitales dominicanos, un tema de gran sensibilidad en República Dominicana. Tercero, abrir el proceso de negociación para delimitar las fronteras marítimas entre los dos países. Este proceso se iniciará lo antes posible. Tercero, tomar las medidas apropiadas, cada país en su propio territorio, para desplegar tecnologías de vanguardia que faciliten eliminar el flujo migratorio irregular, el tráfico y la trata de personas, el flujo de armas, el narcotráfico y el robo de ganado, entre otras actividades ilícitas. Quinto, cooperar de manera mutua y sostenible en los campos de la energía, la producción agrícola e industrial, el combustible para cocinar y los esfuerzos para frenar la desertificación. Sexto, trabajar para lograr la financiación necesaria para la adopción de un plan de capacitación y apoyo que facilite la labor de ambos países para reforzar la seguridad y la vigilancia fronteriza. Consecuentemente, cada país colaborará con el otro en caso de que se construyan controles físicos o tecnológicos en todo el borde terrestre de la frontera. Séptimo, continuar negociaciones de manera sostenida hasta alcanzar un acuerdo comercial general con el objeto de establecer normas transparentes, estables, justas y previsibles para ambas partes y que permita frenar el contrabando que erosiona la base impositiva de ambos países. Octavo, trabajar estrechamente para planificar una matriz de interconexión energética entre ambos países, priorizando las energías renovables, eólica, solar, biomasa, hidroeléctrica, que permita el intercambio del excedente de energía de un país a otro. Noveno, fomentar la producción de productos biodegradables en lugar de aquellos que dañan el medio ambiente, especialmente los fabricados con poliestireno. Declaración adoptada en territorio dominicano el domingo 10 de enero del año 2021 en un lugar cercano a la frontera de Haití. Muchas gracias. Agradecemos al señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, por compartirnos la declaración conjunta entre la República Dominicana y la República de Haití. Señoras, señores, de esta manera culminamos esta actividad especial, comparecencia ante los medios sobre la declaración conjunta entre la República Dominicana y la República de Haití. Feliz tarde. Nous sommes attendus à Álvarez qui sont à expliquer nous tout ça qui gagne en un document. Nous pourrons essayer de traduire pour un créole pour tout le monde capable d'arriver et comprendre. Nous rencontre que le président Jovenel Moïse te gagne ensemble avec Luis Abinadel. Eh bien, il te fait une déclaration. Il dit qu'il y a travail ensemble. Nous connaissons en République Dominicaine qu'il y a un pile haïtien capable de caler tout le monde con Jonjon. Eh bien, il te mettait d'accord pour tout le monde qui fait en République Dominicaine.
eh bien pour capable enregistrer en Haïti. Ça veut dire pour capable gagner acte de naissance haïtien. Gouvernement Haïti a Jovenel Moïse lui-même lui dit à président Luis Abinader lui d'accord pour capable enregistrer tout petit moun sa yo nan pays d'Haïti. Ça c'est premier accord que président des pays sa yo yo même yo te signé. Deuxième accord que qui signé c'est dans affaire l'hôpital. Eh bien et Luis Abinader avec Jovenel Moïse yo metti d'accord pour yo capable construire l'hôpital nan pays d'Haïti, mais ça yo pral faire avec l'aide l'autre pays international qui gen intérêt pour yo capable financer et l'hôpital ça nan c'est un objectif pour capable réduire quantité et femmes haïtiennes et cap vinn fait timoun et nan pays et Saint-Domingue yo pral construire l'hôpital ça sous frontière. Ça veut dire y a prêté bon la caillou pour capable grainer timoun gens yo vle yo pas besoin venir nan pays Saint-Domingue pour capable vinn accoucher. Troisième point et qui te signé dans accord ça li gen pour ensemble avec négociation pour yo capable délimiter la mer. Ça veut dire pour yo capable et dit mais qui bon la mer qui pour Haïti mais qui bon la mer qui pour la République et Dominicaine. L'autre point qui te signé qui te quatrième point que c'est gen en pile monde capitaine surtout haïtien qui vivent en République Dominicaine li gen pour ensemble avec migration. Et bien ça en pile monde t'attend négociation sur migration que en pile monde t'attend là et bien c'est pas ça du tout qui tombé dans affaire immigration. Et bien tout des pays dit yo poil et mettez et technologie sous frontière. Ça veut dire drone ça yo poil arriver détecter tout haïtien cap essayer rentrer Saint-Domingue et illégal. Et bien sous bord pays d'Haïti ou gen drone ça ou cap voltiger pour capable arriver détecter. Et si en cas ou ta arrivé jambe frontière et bien autorité Saint-Domingue qui déjà gagne drone ça qui déjà gagne technologie ça y a arrivé mettre main sous patte cassave. Ça c'est pour capable réduire quantité haïtien capable essayer rentrer en République Dominicaine yon façon illégale. Et l'autre point qui était sien c'est tout des pays qui a travaillé pour capable renforcer sécurité vigilance sous frontière. Ça c'est tout des pays qui mettent ensemble pour capable collaborer pour capable sécuriser et frontière. L'autre point qui gagne encore c'est promesse de coopération de futur. Ça veut dire que la République Dominicaine li gagne et capacité pour capable vendre un pays d'Haïti énergie ça les énergie électrique là. Nous connaissons Jovenel Moïse de même li gagne projet ça pour capable électrifier pays d'Haïti 24/24. Et bien gagne possibilité pour la République Dominicaine et bien dans coopération pour capable fournir pays d'Haïti énergie et dans ça qui gagne avec produits agricoles industrie combustible pour capable faire manger. Nous connaissons Haïti et question faire manger avec charbon c'est un bagage qui fait que il y a débrasé pays. Et bien République Dominicaine li fait comprendre li capable coopérer ensemble avec pays d'Haïti pour capable faire jeune gaz puis capable faire manger. Et puis tout il y a pas et travail pour comment et pour capable éviter moun couper pied bois non même sans tout yon autre bagay qui ont été signé c'est création produit biodégradable. Ça veut dire que c'est des produits qui cap fait et cap gâter milieu ambiant. Et bien yo dit yo pour aller comment yo capable et mettez sous pied des produits biodégradables. Ça veut dire qu'il pas fait la nature et mal. L'autre point, l'autre partie dans agenda ça qui est au bah, c'est nécessité pour capable gagner un accord et commercial haïtiano-dominicain. Nous connaît et pays d'Haïti avec la République Dominicaine par aucun accord commercial. Et bien, il parle comment yo capable mettre sous pied un accord commercial. Ça veut dire pour capable gagner bon libre échange pour gagner norme chaque pays pour gagner norme pour capable contrôler contre et ça que les contre bonne. Et ça c'est et point ça c'est accord ça que président Jovenel Moïse était arrivé signé ensemble avec Luis Abinader dimanche dernier dans rencontre qui était gagné sous frontière hein? Et bien que gagne en pile réaction depuis dimanche cap tombé sous accord ça que Jovenel Moïse ensemble avec Luis Abinader. Dans l'autre vidéo nous pral venir ensemble avec toute réaction ça nous déjà connait pral gagne plus d'autres réactions qui pral tomber mais demain et n'a faut joindre toute réaction qui tombe.
par rapport à quoi ça que des pays ça y arrivé sien et nous te content notre ensemble avec vous nous content retrouver une autre occasion pour nous capable continuer informer sur chaîne Paola. Merci Dieu et passeport sexuel.